Yop tout le monde, c'est Blackbird HD. Aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo. Donc comme je vous ai promis, une petite Moab, donc à la Scarel, en élimination confirmée. Donc pour une fois que c'est pas de la domination, c'est pas de du MME, enfin j'ai jamais fait de MME, enfin bref, c'est pas de la domination, ni de l'éclair, même s'il n'y a pas de l'éclair, ça va nous être rare, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, en UC dans cette partie, j'étais accompagné de Stan, donc dédicace à toi mec. Il m'a pas mal aidé dans cette game, il m'a envoyé du drone et des vestes, donc c'est un peu du support quand même. Voilà, il m'a envoyé quelques drones, quelques vestes, hein. C'est pas un truc non plus de taré, hein. Il n'y avait pas 6 mecs, 5 mecs avec moi à côté de moi tout le temps, ouais tu veux une veste, tu veux nanan. Voilà, on était tous les deux tranquilles, c'est juste que lui il voulait jouer en soutien. Et voilà. Donc une petite mob à la Scarel, donc je l'ai réalisé à peu près en 3 minutes, 3 minutes 30 par là je pense, donc elle est assez... assez rapide on va dire, c'est pas trop mal. En tout cas j'espère que ça vous plaira, un peu de old school hein. En ce moment je mets du MD2, voilà MW3, BO2. Franchement Ghost j'y retourne plus trop en ce moment, ça m'a saoulé, je suis plus sur MW3 pour faire de la kill feed en zone. Comme je vous ai dit, il y aura un montage pour les 5K au sniper, il y aura même des clips à l'arme, mais beaucoup de clips au sniper aussi. Donc en ce moment je suis en mode kill feed, hein, en train d'essayer de faire des quad feed, des gun feed. Et voilà voilà. Donc je vais vous décrire ma classe un peu pour ceux qui veulent jouer, enfin ceux qui veulent faire un petit retour sur Unreal 3 pour jouer avec ma classe. Donc c'était la Scarel, silencieux, charge à grande capacité. En atout j'avais pillard, bonne gâchette et tracker. Et en spécialiste, passe-passe, tireur d'élite et détermination. Donc voilà. Donc ce gameplay se déroule sur Xbox 360, hein, j'ai oublié de le préciser, mais c'est sur Xbox. Voilà, voilà. Donc vous allez voir qu'à la fin de la game, je vais m'en sortir avec un score assez énorme pour ce mode de jeu. C'est assez rare de voir des scores comme ça en élimination confirmée. Donc vous verrez bien le score. Et voilà. Qu'est-ce que je veux dire? J'avais pas grand-chose à vous dire en fait. En ce moment, je suis, comme on dit, je suis toujours en manque de sujet. De toute façon, c'est vrai que je suis pas un mec qui commente beaucoup. Moi, je suis bon pour faire les gameplays, mais après, faire le commentaire, c'est vraiment pas moi. J'ai vraiment du mal. Franchement, proposez-moi des sujets, les gens. Franchement, si vous me proposez un sujet, je vais en parler pendant 40 milliards d'années, mais il me faut un sujet. C'est, voilà, il me faut, comment dire, un premier pas, comme on dit. Genre vous me donnez la première idée et après je vous fais le tab, je vous fais un bon commentaire avec un bon sujet et vous allez adorer. Le truc c'est voilà, faut que vous me trouviez un bon sujet. Voilà voilà, donc dites-moi ça dans les commentaires. Donc là j'obtiens la Moab, je l'envoie. Parce que j'ai pas mal ragé dans cette game hein. Avant je vous ai mis juste la partie où je fais ma série, puis la mob. Mais c'est vrai qu'avant j'ai pas mal ragé, j'ai fait deux séries de plus de 15, donc j'aurais pu faire la triple Moab dans cette game, mais c'est vrai que j'ai pas mal ragé. Voilà voilà, c'était Blackbird HD, franchement pas grand chose à vous dire comme je vous ai dit. En tout cas j'espère que ce gameplay vous aura plu sur Modern Warfare 3, un petit retour old school. Voilà voilà, laissez un like et un commentaire si la vidéo vous a plu, et moi je pense qu'on se retrouve dans un ou deux jours pour un nouveau gameplay sur Modern Warfare 3 ou Modern Warfare 3 je pense. Ça sera soit une Moab, soit un live au sniper en compagnie de Stan je pense, parce que je joue beaucoup avec lui en ce moment en zone de largage. Voilà, c'était Blackbird HD, laissez un like et un commentaire si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.